Le groupe d'accompagnement des malades Gram en sigle a célébré ce 11 février 2020 son 25e anniversaire depuis sa création par le révérend Abbé Innocent Nyirindekwe en 1995. La célébration de ce jubilé d'argent a eu lieu au centre Espérance et Vie et la messe est dite par Monseigneur Faustin Gabou, évêque émérite du diocèse de Goma, a débuté cette grandiose cérémonie qui a connu la présence de grandes personnalités dont l'honorable Magiro Akabou Balibagiza, député national élu du territoire de Rutshuru, et l'honorable Pierre Kabanda Kayoboti, sénateur du Nord Kivu, Docteur Moïse Kakule Kanyere, ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, et son collègue des affaires sociales, Madame et Docteur Hadjati Fatouma Hassani Sheila. Devant les bénéficiaires du Gram et les accompagnateurs des malades, dont parmi eux les hommes sous le drapeau, cet anniversaire est célébré sous le thème « Se renouveler pour mieux servir ». L'abbé Innocent Nyirindekwe a indiqué les motifs qui lui ont poussé de créer cette organisation. Le premier fait, c'est en septembre, quand je venais d'être ordonné et nommé à cet esprit par Mgr Gabou, et qu'il y a eu une situation d'une femme au Birere, Birere 4, tout près de la petite barrière, qui était très malade et pour qui on a cherché un prêtre. Et c'était un lundi, les prêtres les lundis sont en congé. Et on a tourné partout pour chercher un prêtre, on n'a pas trouvé un prêtre. Et le soir de ce lundi-là, j'arrivais à Saint-Esprit où j'étais vicaire et quelqu'un venait un peu désolé, il dit « Nina Pafta Padi, Tangi Asumisi, Amupata, Naniko, Namugonjwa, Niko, Hatari, San. » J'ai dit « On va y aller. » Je ne savais pas conduire ni voiture ni moto. Je suis allé à pied et malheureusement, quand j'arrivais au Birere, la personne venait de mourir. Voilà le premier événement. Le deuxième événement, c'est un homme qui était toujours dans les mêmes guérés, qui était malade chronique, en phase finale, que j'ai visité, mais qui a refusé de recevoir les sacrements, parce qu'il ne voulait pas pardonner à sa femme, et sa femme sollicitait la réconciliation avec lui, et il voulait qu'il fasse le mariage. Quand j'ai dit à cet homme, c'est mieux qu'on te donne le sacrement, d'abord de la réconciliation, et puis le sacrement des mariages, et puis le sacrement, l'onction des malades, et le reste, il m'a dit ceci, pas dit, car ma vie est une attente de bâtir, il n'a pas qu'on a dit, ou roumé du bien, ou si t'as mouru, il n'a aujourd'hui au viage. Et voilà, il a refusé parce qu'il m'a dit qu'il ne peut pas se réconcilier avec sa femme. Il m'a dit de partir. Et le soir du même jour, cet homme est mort. Il est mort avec la colère dans son cœur. Il avait certainement ses raisons et c'était pénible. Ce sont les deux situations pastorales au début de mon ministère sacerdotal qui m'ont fait beaucoup réfléchir sur les types d'accompagnement à mettre en œuvre pour que les malades en phase finale puissent bien se préparer à se réconcilier non seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres avant leur départ de cette terre, un départ qui est sûr chez certains. Je continue à me convaincre que Dieu est passé par les deux événements, d'abord, mais aussi par mon ministère d'exorcisme, parce que déjà en 1994, Mgr Gabou ici présent m'a confié le ministère le plus difficile, le ministère d'exorcisme, prier pour les malades, surtout qui sont infectés ou possédés. Et j'ai fait ce travail jusqu'au moment où je suis parti étudier. Donc les trois choses me convainquent que c'était ça le début donc, du Gram. Je reconnais quel amour Dieu a aimé non seulement nos malades, mais aussi tous les bénévoles accompagnateurs qui se sont petit à petit engagés en se donnant gratuitement. Prenant la parole, le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, Dr Moïse Kakule Kanyere, a félicité vivement l'initiative visant à améliorer les conditions sanitaires qui sont aussi une préoccupation majeure, non seulement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi pour le gouverneur de province du Nord Kivu, honorable Karline Nzanzu Kasivita. Excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Goma, ici représenté, honorables députés et sénateurs ici présents,
révérend Ali, père, révérende sœur, messieurs, mesdames, les représentants des organisations partenaires GRAM, mesdames et messieurs, chers tous à vos titres et qualités respectifs. Je suis très heureux d'être en ce lieu pour souhaiter à toutes et à tous une très bonne et heureuse célébration du jubilé d'argent du groupe d'accompagnement des malades GRAM à Sicle. Ce centre qui nous accueille, dénommé Centre Espérance et Vie, est un symbole fort qui rappelle notre attachement au bien-être sanitaire et social des personnes atteintes de maladies chroniques et leurs dépendants dans une période où la santé est souvent mise à rude épreuve. Depuis sa création par l'abbé Innocent Nyirilek et tous les autres cofondateurs, ces lieux ont vu défiler des familles, des jeunes, des moins jeunes, qui aussi trouvaient soulagement à leurs besoins sanitaires et vitaux grâce à ceux qui ont choisi de mettre à l'honneur l'amour à travers le sacrifice de leur personne. Je loue particulièrement l'approche privilégiée par GRAM, être une interface communautaire, un pont entre l'hôpital et le patient, car le soignant n'a pas tout le temps pour accompagner le patient dans le processus de sa guérison. Il a besoin de prestataires communautaires pour compléter son travail. Pensée pieuse à l'évêque du diocèse de Goma, qui accompagne à merveille cette initiative depuis sa création en 1995 jusqu'à ce jour. Avec aujourd'hui l'ouverture de l'année jubilaire d'argent du GRAM, vous questionnez un sentiment à jamais, mystérieux et pourtant très précieux, apprenant le parti de vous appuyer encore et toujours sur les valeurs humaines intrinsèques. Le thème choisi, se renouveler pour servir davantage, est une expression louable de votre dévouement au service des nécessités. Mesdames et messieurs, cette année, le quart des siècles que le groupe d'accompagnement malade réalise est un signe que de nombreux défis ont été surmontés et que d'autres encore attendent puisqu'ils sont déjà là, juste devant nous. Je parle de malades chroniques, de VIH-SIDA, du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'épilepsie, etc., qui ont constitué un des piliers sur lesquels le GRAM a focalisé ses interventions à travers ces mesures d'accompagnement mises en place dans l'optique de développer et de maintenir l'autonomie des personnes à l'égard de leur maladie. Les effets discriminatoires liés à ces maladies prenaient à un moment de l'histoire une ampleur déconcertante au sein de la société. Grâce à l'action du GRAM ainsi que d'autres intervenants, nous assistons aujourd'hui à la consolidation du tissu social. C'est en cela que nous encourageons le credo du GRAM, humaniser la santé et le monde et la santé. Les pathologies chroniques sont de nos jours et dans notre société un mal qui n'épargne personne. C'est pourquoi les actions conséquentes visant leur prévention et la prise en charge des personnes affectées sont très capitales pour espérer vivre pleinement épanoui. Car, vous le savez aussi mieux que moi, la santé est la condition sine qua non à toute existence et à tout développement de l'être humain. J'encourage donc le GRAM ainsi que tous les autres partenaires du gouvernement à doubler leurs efforts dans l'amélioration des conditions sanitaires de la population
sans laisser personne de côté. Au vu du bilan, combien louable du Gramme depuis 25 ans au service des plus nécessités, les actions du Gramme méritent d'être soutenues. C'est pourquoi j'encourage vivement nos partenaires à venir en appui au Gramme et moi après nous. Le chef de l'État, à travers le gouverneur de la province du Nord-Kivu, son Excellence Kaliza Nzuka Sivita, est particulièrement préoccupé par l'amélioration des conditions sanitaires et notre ministère tâchera mieux qu'il se pourra de répondre aux maux dont souffrait notre système de santé depuis longtemps. Beaucoup de perspectives s'ouvrent devant nous que nous allons concrétiser. Mesdames et messieurs, chers membres du Gramme, cette année jubilaire, avec ses espoirs et ses promesses, est un bon moment pour déplacer son regard et voir où l'on veut aller. Je pense à ces utopies concrètes qu'il nous faut faire et pas de côté pour créer et inventer une société et un monde meilleur. Nous devons construire un horizon, répondre aux espoirs et nourrir les espérances. Il y a ce que nous bâtissons quotidiennement, mais ces réalisations doivent s'inscrire dans un projet de société qui leur donne un sens et un souffle. La prospérité sociale, disait Victor Hugo, c'est l'homme heureux, le citoyen libre, la nation grande. Tout en promettant de compter toujours sur notre accompagnement, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle ouverture de l'année jubilaire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu, que vive notre diocèse de Goma. Je vous remercie. Parlons au nom du gouverneur de province du Nord Kivu, honorable Caroline Nzanzuka Sivita, madame docteur Hadjati Fatuma Hassani Sheila, qui dans son gibecière, le gouvernement Caroline Nzanzuka Sivita lui a envoyé avec un lot important de vivres, s'est dit très heureuse de l'existence du Gramme. Honorable sénateur, honorable député national, Excellences, Monsieur le ministre provincial de la Santé et chers collègues, Madame le chef des divisions provinciales des affaires sociales, Excellences, Monseigneur l'évêque du diocèse de Goma qui s'est représenté, Révérend Abbé et Père, Révérende Sœur, Messieurs, Mesdames les représentants des organisations partenaires du Gramme, Mesdames et Messieurs, chers tous, en vos titres et qualités respectives, en cette journée commémorative du jubilé d'argent du groupe d'accompagnement des malades Gramme en cycle, l'honneur m'est choix de prendre la parole pour le compte de mon ministère, celui des Affaires sociales, pour saluer le travail consenti par toute l'équipe de cette organisation en faveur de la couche la plus nécessiteuse de notre bienveillance et notre attention, celle des malades et leurs dépendants. Les organisations caritatives comme celle-ci concourent largement à l'action du ministère des Affaires sociales dans un concept de 3A, assistance, accompagnement et autonomisation, dans l'objectif de développer le potentiel des personnes socialement vulnérables et d'opérer à plus ou moins brève échéance leur mutation du statut de charge sociale à celui d'acteur de développement. C'est dans cette optique que le bilan des 25 années de l'existence du Gramme est largement positif selon le travail qui a été abattu dans la scolarisation et l'encadrement socio-éducatif des OEV, la réinsertion socio-professionnelle, l'assistance sociale en faveur des malades indigents, ainsi que tout le travail accompli dans le domaine de la santé
tel que stipulé dans le speech d'ouverture de mon collègue, Son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, et dans les discours bilans de l'initiateur GRAM, le révérend abbé Innocent Nyeri Ndegwe. Ce bilan positif est le reflet de l'engagement, du dévouement et de l'abnégation dont vous avez su faire montre tout au long des années de votre existence. À ce titre, je voudrais solennellement vous adresser, mesdames et messieurs, chers membres du GRAM, mes sincères félicitations pour les résultats réalisés. Il convient toutefois de souligner qu'il nous faudra davantage redoubler d'efforts, car de nombreux et pressants défis nous interpellent encore. Nous comptons mettre l'accent sur les réformes, aussi bien au niveau de nos services techniques opérationnels, hors des entrées du ministère des Affaires sociales, que des services centraux et déconcentrés. L'objectif poursuivi étant de disposer d'une administration performante, capable d'assurer un encadrement efficient des personnes socialement vulnérables. Pour ce faire, notre stratégie, qui repose sur les plaidoyers techniques, juridiques, culturels et économiques, a pour but l'appropriation sectorielle de la problématique de la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale. Cette synergie d'action demeure pour nous la condition sine qua non de l'amélioration de la qualité de vie des personnes socialement vulnérables, parmi lesquelles les malades et leurs dépendants. Je profite également de cette occasion pour adresser mes remerciements à tous les partenaires ici présents, dont le soutien ne nous a jamais fait défaut dans la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement provincial, dirigée par Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Honorable Zazu Kassivita Chamoun. Mon ministère des Affaires sociales promet de vous accorder sa disponibilité entière dans l'accompagnement du travail que vous abattez jour et nuit en faveur du bien-être social. Pour terminer, j'ai demandé au gouvernement provincial d'accompagner nos malades juste avec un petit geste que vous allez recevoir avec amabilité. C'est très peu, mais c'est significatif. Il n'y a que quelques sacs de riz, de sucre, de l'huile et de farine de maïs. Je vous remercie. La responsable des accompagnateurs des malades, quelques bénéficiaires du GRAM, ont aussi donné leur témoignage. Kazi yetu wa mbonto kweli, tumefanya vizuri na furaha. Taki muda wa mwaka wa 15, tumesikiliza wagonjwa wa namna mbalimbali. Wagonjwa wa kudumu kama vile wagonjwa wa kawaida. Na ndani ya kazi yetu hatuchagui, tunasikiliza wagonjwa wote. Wa kila dini, wa kila rangi, wote wenye tunakutana nao ndani ya mateso tunawasikiliza. Kwa hiyo ni shukrani yetu kwa kazi hii yenye tunafanya muda wa miaka 15. Mbele ya yote tutakosa kushukuru Monseigneur wetu wa jimbo letu la Goma aliyetupatia waomone ndani ya mapaguasi zetu na waomone de malade wanatusaidia sana kwa hiyo kazi. Kwa malalamiko yote ya wagonjwa, kwa mahitaji yao yote mbalimbali, tunafika ndani ya mapaguasi zetu na kupana habari na wapatu wetu kwepesi wanatusindikiza kwa kwenda kuona malalamiko yote ya mgonjwa. Ikiwa ni sakramenta mbalimbali, ikiwa ni malalamiko yao yote wanatusikiliza. Kwa hiyo wagonjwa wetu tunawasikiliza kimwili kama vile kiroho. Tunashukuru GRAM kwa hii miaka yote inakushughulikia. Juu kwa mwanzo vei hazo wote kwa sia ni grave sana. Hata na ndugu yako anakatala kukusogelea, anajua kama utamwambukiza. Lakini GRAM haikutuachililia. Inaendelea kutukumbatia siku kwa siku. Tafuta kumshukuru mganga wetu mama Praxe Dego pale, kana sema apepe mkutano tu amuone. Ule ni mganga wetu haogopake kutugusa. Atuko wae atakuzogelea. Tunashukuru GRAM juu tushapata valeur ndani ya majamaa zetu mbalimbali. Wakati hautegemee tena kulomba mtu,
banakupatie ile kazi tangu lazima aje frais de démarrage kufungula avec unajitegemea wewe mwenyewe jamani nilikuwa nakuogopa kwa sababu tutapiga hoja sisi na pia lomba ile sawa banaanza kutupatia valere yetu ushakuwa mtu wa valere ndani ya jamaa tunashukuru grame tena kwa kutusomesha watoto wetu tu majorité sisi ngizi nikisema tu kama desa kuambia watu washenda na kupunguka kila mtu grame anamkamatia mtoto ashaje kwa masomo ile leo natupatia nguvu tunaendelea kushukuru tena grame kwa hiyo encadrement yote inaendelea kutufanyizia sababu nilikuwa sina kazi mbele leo mjuma encadra kazi zangu niko mbona kazi yangu na mimi napataka kale ka mdomo naendelea kushukuru nashukuru tena Mungu kwa grame isha tufanyizia ya mingi kubisema mtu anaweza shindwa ni ya mingi sana tutaomba tu wengine wenye viko homo wa Mungu moyo mzuri kujiunga na padri wetu kumpatia nguvu ili apate ile mwaeju mabezoni za mingi sana na yepeke hataweza tunaomba ndugu zetu niko humu kila mtu ajiunge kwa padri ili tuendelee kuishi bien basi tulikosa kupanda hatuna kitu tumuliza tukale kakuku ndio shukrani Oui, monaona. Il est au PVD depuis plus de 20 ans. Mais combien ça fait? Il est pour les Azanais depuis 22 ans. À l'époque où Kufa, on a fait Kisha Kufa, Kisha a katoka mufichi, une stigmatisation a kanimé ou imine. Monaona. Qui vous coûte à vous dire comment pour voir tout ça, c'est ma loi bon. Et puis, accent, accent. Wanganga wetu wa grame walikuya, wakanitembelea kwa mashauri. Dada bila kusahau dada, anatupatia kwanza ile dawa bila makuta. Anasomesha watoto wetu sifa na shukrani kwa mapendo isiyo na mipaka na wenye wanaunga dada mkono Mungu awabariki wasichoke dada angalie dini rangi au kabila si wote tuko watoto wa baba moja sifa na shukrani sijue ni shukuru grame namna gani kwa namna anawatendea wagonjwa Mimi hapa nataka kusimulia juu ya diabete. Grame anatunza watu kupima na kuwapatia matibabu kwa bure. Na wakati nilifika hapa walinielezea nikasema hapana kwa bure ingali na kisi kidogo. Unapimwa bure na unatunzwa bure. Sasa mtu anaweza kushukuru kikundi kama hizo na unakali. Mungu anakupatia penyeo na kushukuru. Mungu anakuweka ndani ya kali na kushukuru. Mungu anakusaidia kitu fulani na kushukuru. Sasa mwenye anakusaidia kwa uzima, unataka kupoteza maisha yako. Shukrani gani mimi sijua ya shukrani mimi naweza kupatia kwa hali. Mungu abariki kwenye kuongoza gramu na abariki wote walikuwa na moyo mwema kwa kusaidia watu wale wanaoongoza gramu kusudi wawasaidie wengine. Asante. Pour boucler la journée, un point de presse animé par Monseigneur Faustin Gabou, évêque émérite du diocèse de Goma, révérend Abbé Innocent Nyirindekwe, fondateur du GRAM, et le ministre provincial des Affaires sociales, Madame et Docteur Hadjati Fatouma Sheila, suivi d'une visite guidée de Centre Espérance de Vie, le partage du repas et un verre de fraternité sous la bénédiction du prélat catholique ont sanctionné cet anniversaire qui a coïncidé avec la journée mondiale des malades.